Bonjour, très chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci si vous avez pris la peine de le faire, c'est vraiment gentil de votre part. Après des moments de guerre entre la famille Makoso et le web humoriste, comédien et artiste chanteur du Bénin Axel Meryl, Lolo Beauté et Axel Meryl se sont rencontrés dans un live enfin pour s'excuser et remettre les choses dans l'ordre. Afin de réconcilier et améliorer la relation du couple Axel Meryl et Kimi Makoso. Suivons ensemble la vidéo La Famille. A rougi encore plus, hein, pourquoi? Hey, comment ça? Comment ça, comment? Non, mais c'est comme ça tout le temps. Non, hein. J'ai expliqué quelque chose sur la toile. Les gens pensaient que je mentais. Axel, mon bébé. Oui, Tata Lolo. J'ai vu une scène qui s'est passée dans la salle d'échange, toi et Kimi. Oui, j'ai vu. Je prends mon micro. Axel, dis-nous la vérité. Tu m'as parlé. Il y a un moment quand j'ai quitté la salle. Je t'ai vu en train de coincer Kimi à l'angle droit. Qu'est-ce que tu faisais? Tu lui disais quoi? Je lui disais félicitations pour le brunch. En la coinçant? Non, c'est parce que les fans voulaient venir vers elle, donc du coup je la protégeais. Tu la protégeais comment? Dans une salle de 30 mètres carrés. Tu coinces quelqu'un dans un angle droit. C'est par rapport à quoi, Axel? Ah, j'ai vu. Non, c'est vrai, tata. C'est vrai, tata. J'étais en train de la protéger. Parce qu'il y a des caméras qui sont en train de le filmer et tout. J'ai dit que je vous ai pas dit, vous avez dit que moi, je mentais ici, non? Axel, là. C'est pas tout, je parle, hein. Je cache un peu tout. Mais si je veux parler, c'est que Axel a fait. Vous avez dit que je suis une tata papato. Quand je parle là, vous dites que je suis papato de le laisser. Axel n'avait pas les lèvres roses comme cela avant le brunch. Aïe. Oui, fais aux hommes. Mais... c'est devenu rose, regardez, 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 c'est beaucoup plus rose. Tu vas pas me dire que c'est le gloss de Kimi que tu as mis sur tes lèvres. C'est le gloss là, je vais tester ça, tata. J'ai vu. Tata, tu faisais la publicité de tes produits, non? Les gars, écoutons d'abord, oui. Pour la publicité de tes produits d'abord. Pause publicité. Voilà. Vous voyez mes bébés, c'est mon beau, il connaît tout. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un thé sucré charismatique, vous contactez Tata Lolo Beauté. Mais moi, j'ai vu au Tata Lolo 0033. Avant que Tata ne dise même le numéro, j'ai vu Tata Lolo Beauté en réel, vraiment. Vraiment, je vous jure, j'ai vu Tata Lolo Beauté en vrai. J'ai 16 ans, non? Ah, sincèrement, Tata, on dirait que tu avais 16 ans. Hein. Même tu bougeais plus que tout le monde dans tout là. On dirait qu'il n'y avait que des vieilles là-bas, mais tu étais la seule jeune. Ah bon? Je vous ai dit! Sincèrement, Tata Lolo Beauté. Merci, mon bébé. Merci, mon bébé. Le sucre charismatique de ma fille. Non, Tata, le numéro d'abord. 00337 69 84 12 27. Je reprends, vous m'écrivez quoi en WhatsApp? 00337 69 84 12 27. N'oubliez pas aussi les palettes de Kimi. Voilà, chacun doit avoir sa palette. Chacun doit avoir la palette de Kimi, le bébé chou. Voilà. Les gars, s'il vous plaît, je pense que c'était l'objectif du brunch. Hein. L'objectif, c'était que de vous présenter les palettes et que vous puissiez en prendre encore plus. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Le numéro de Kimi, tout ce qui a rapport avec Kimi, vous savez très bien où le voir. Elle met tout le temps des vidéos sur son compte et aussi sur son profil. Donc, allez-y. Et voilà. Tata Lolo, c'est pas que tu me manquais que je suis venu là. Je voulais te saluer. Je suis là, mon bébé. Merci beaucoup pour le passage. Merci pour la salutation. Allez, mais je suis là, je te surveille. On va s'écrire, tata.